Dans un mois, c'est Noël et les communes sont à pied d'œuvre pour installer les dernières décorations. À Coignères, 110 installations ont été montées par les agents municipaux. Coût total, 10 000 euros pour la municipalité. À Coignères, nous maîtrisons en totalité la révision des décorations de Noël, la création également et la pose, ce qui nous permet de bien maîtriser de A à Z à un coût tout à fait raisonnable et encore une fois de qualité grâce aux ateliers municipaux qui œuvrent en permanence là-dessus. Au Clay-sous-Bois, l'installation est externalisée. Illumination sur la mairie et les lampadaires, boules de neige dans les arbres ou encore 80 sapins sont répartis dans les rues de la ville. Du point de vue financier, on a diminué. Entre 2011-2015, nous étions aux environs de 50 000 euros qu'on investissait. Maintenant, on a diminué, on n'est plus qu'à 40 000 euros. Autre économie, on n'a plus de lampes incandescentes, on n'a que des LED. Les différentes décorations, on les choisit en fonction des lieux où on va les poser. Quand on a une zone, alors on a ciblé les zones commerciales pour mettre en valeur les commerces, surtout dans cette période festive de Noël. Le lancement des illuminations au Clay-sous-Bois se fera le 5 décembre et à partir du 16, une patinoire sera ouverte sur le parvis de la mairie.